Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour une vidéo un peu différente du scrap, un peu différente du... Ça parle de crochet, mais un peu différente de ce que l'on peut utiliser, ce que je crochète d'habitude pour le scrap aussi. Là, j'ai envie de faire des amigurumis. Alors je pense que vous connaissez, moi c'est mon amie Sylvie qui m'a donné cette idée. J'avais déjà vu sur la chaîne de Emmanuel Le Monnier, bon, Nanou, c'est Emmanuel, je ne sais plus exactement son nom. C'est Nanou, c'est une animatrice qui est dans le scrap depuis très longtemps, et elle faisait des amigurumis. Je me disais, oh là là, je sais crocheter, mais il faut avoir de la patience. Puis finalement, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ça me plaît bien, et puis j'aime bien changer hein, de loisir. Alors, ah, la luminosité, elle s'envole, Yannick. Un coup, peut-être parce que t'es là, j'ai moins de lumière ou... Ah ouais. Bizarre ça. Et... Dingue, voilà, ça va mieux là. Alors, je reviens à mes moutons, donc à mes amis gouroumis. Alors, j'ai fait une petite commande à Rascol, pour vous dire. Donc, j'ai commandé, ben, au début, il faut quand même des bouquins, je pense, à des petits livrets comme ça, à 3 euros et quelques, où il y a des exemples. Ben, vous avez, là, je suis en train de commencer, parce que j'ai commencé, hein, vous savez bien que moi, aussitôt acheté, aussitôt utilisé. Puis là, alors, j'ai commencé, où il est? C'est peut-être pas celui-là. C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Alors, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je vais vous montrer l'autre. Là, vous avez les couleurs. Et sur le site de Rascol, ça s'appelle Ricorumi. Donc, c'est les livres. Et les pelotes s'appellent comme ça. Donc, j'ai pris celui-là et celui-là. Et je suis en train de faire ce petit chien-là, mais en rose. Alors, je vais vous montrer. Donc, les explications pour moi, bah, c'est clair, hein. Alors, il est où le chien rose? Il est où le petit chien rose? Parce qu'il y en a un rose, voilà. Je suis en train de faire ce petit chien-là. Voilà, mon premier, c'est celui-là. J'ai commencé, voilà, il est là. Donc ça va être le museau, je pense. Alors, on croit que c'est tout petit, mais 15 cm, hein, quand même, il fait. 15 cm, ça fait ça. C'est quand même pas mal, hein. Quand il va être assis, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc je fais ça, et j'ai commandé des petites pelotes à 1 euro. Donc j'ai pris des couleurs, bien sûr, j'ai regardé les couleurs qui m'intéressaient, hein. Donc je vous montre les... Parce qu'après, ils font des boîtes avec des différentes couleurs. Donc ça, j'en ai pris deux parce que je veux faire un petit nounours. Trois même, excusez-moi. Là, c'est pour mon chien, j'en ai pris trois aussi. Trois roses pâles comme ça. J'ai pris du rose un peu plus foncé, mais en dégradé. Ça, c'est pour faire aussi avec mon nounours. Et les autres couleurs, donc ça, j'ai pris du noir. Oh, il y a Pink qui vient de passer avec quelque chose, Yannick. Oh là là là. Mais c'est pas vrai, elle est terrible, hein. Elle est terrible, je me dis, j'entends quelque chose. Oui, elle a été prendre une serviette dans une pièce, je ne sais où. Voilà. Alors, et j'ai pris donc du marron, ça, c'est pour faire un chien avec un œil de coquinou comme Bidou. Alors, donc j'ai reçu ça, puis je sais plus quand, mais quelques jours après que j'avais commencé, je me suis dit, il y a une mercerie à Neu, donc à 5 km de chez nous, hein, pas très loin, et je dis, j'aimerais bien aller voir. Et je me dis, peut-être ils ont de l'autre coton, parce que celui-là me paraît un peu comme celui de. Comment ça s'appelle? De Action un peu rêche. Je trouve pas rêche, mais. Enfin, il glisse pas quand on crochète. Moi, je crochète vite et il glisse pas. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé plein de choses. Hein, on trouve toujours plein de choses. Un petit livre, donc de DMC, les Amigurumi. Donc, Happy Cotton Book 3. Donc, c'est de DMC. Et ces petits chiens me plaisaient bien. Donc, ces petits personnages aussi me plaisent bien. De faire de tout petits personnages, pourquoi pas. Ça. Et elle vendait des kits à 9 euros et quelques pour faire, par exemple, ce personnage-là avec les pelotes à l'intérieur. Donc, bon, je me suis dit, ces pelotes-là, bah, ça revient au même. Ça fait des petites pelotes puisque c'était 1 euro et quelques aussi, ces petites pelotes-là. Ça revient au même que les petites pelotes qui sont là. Et le coton, ben, c'est du coton. Oui, peut-être pour faire les amigurumis. Mais, je vais vous montrer. Sortir tout du paquet. Donc voilà, ça c'est les couleurs qu'il faut pour faire le petit bonhomme. Voyez, toutes ces couleurs-là, c'est pour faire ce petit garçon qui est là. Voyez, juste là. Donc il n'y avait plus la petite fille, sinon j'aurais pris la petite fille aussi. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai à l'intérieur? Oh, ben il y a les yeux. Mais j'ai pas vu ça. Regarde Yannick, il y a les yeux. J'avais pas vu qu'il y a les yeux.
Parce que je vais vous montrer après aussi. Donc, c'est bien spécial. Donc, il y a aussi donc, la chaîne, comme je vous dis, d'Emmanuel Monnier, je pense que c'est ça, pour comment crocheter les... Enfin, crocheter les yeux, les coudres, ou comment les mettre. Donc, elle fait des vidéos là-dessus. Donc, il y avait les explications dans le petit sachet, là, à 9 euros. Alors, voilà. Et je trouve qu'ils sont très, très bien faits parce qu'il y a un schéma. C'est-à-dire que sur celui de Rico Rumi, c'est, tout est écrit. Hein. Tout est écrit, il faut tout lire. Vous voyez? Bon, moi, ça me va, mais bon, des fois, la tête, c'est pas ça. Hein. Donc, voilà. Et sur ces petits livres-là, ben, vous avez des schémas. Et des fois, ben, c'est pas plus mal. Hein. Quand vous avez un perroquet comme ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir un schéma. Voilà. Donc, et là, pour le petit garçon, ben, c'est pareil. Voilà. Donc, ça, c'est pour la mercerie. Et donc, je lui dis, parce que cet été, j'ai passé. Et j'avais, elle est, enfin, la boutique était fermée, le rideau était ouvert, et je dis, j'avais vu une vitrine toute avec des amigurumis. Je dis, vous faites des amigurumis? Elle me dit, oui, on fait des amigurumis. Je fais, vous utilisez quel coton? Parce qu'il y avait un panier avec ces pelotes-là, tous à 1 euro. 1 euro la pelote, mais c'est des pelotes de 20 grammes. Ceux de Rikurumi, c'est 25 grammes, hein, 25 grammes ceux-là, bon, ils sont pas beaucoup plus grosses, mais ils sont 1,08 € ou 1,18 €, un tout petit peu plus cher. Voilà, donc ça c'est pour le petit bonhomme. Elle me dit, si je fais des pelotes, moi j'utilise celle-ci. Et je trouve que le coton est beaucoup plus luisant. Il donne un teint vraiment, voilà, si je fais ça et ça, vous voyez, ça fait vraiment, je trouve, quelque chose de plus joli, moins terne. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois. Donc ça, c'est des 50 grammes. Donc forcément, dans une pelote, c'est comme si j'avais deux petites pelotes. Mais j'ai payé 2 euros, bientôt 3 euros et quelques. Et je trouve ça très bien. Donc j'ai pris, donc pour faire le petit bonhomme, parce qu'il faut partir sur des couleurs. Après, bon, il va vous rester des bouts, des restes. Donc s'il faut faire des petits... Je me dis, je préfère prendre les couleurs qui m'intéressent. Après, sur les catalogues, si je vois d'autres modèles, bah, j'achèterai les couleurs qu'il faut. Donc là, je voulais faire ce petit... chien-là, ou petite souris, ou petit nounours, avec ce neuneu bleu. Alors, j'ai pris ces deux couleurs-là, vous voyez, et puis le petit neuneu bleu, comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément les mêmes couleurs, mais ça reste dans le même thème. Et après, je voulais faire, alors, que je vous montre un petit... Alors, est-ce qu'il est dessus? Oh, non, c'est celui-là. Excusez-moi. Non. C'était pour celui-là le rose. Excusez-moi, c'était pour celui-là. Voilà, regardez. C'était pour ce petit chien-là. Et ces deux-là, c'était pour faire un comme ça. Voilà, puisque j'avais déjà le rose. Pourquoi j'ai pris un marron? Ah, je pense que c'était pour faire les singes. Enfin bref, j'ai pris un marron caramel comme ça, un gris, un bleu. Et puis c'est deux, un rose pâle et puis un peu plus, voilà. Mais c'est tous les modèles qu'il y a sur ces petits livres-là. Donc j'ai vu sur Rascol qu'ils étaient 1,40 €, mais je vais regarder parce qu'il y a des livres en librairie aussi. Et puis pour faire nos amis gouroumis, il fallait autre chose. Donc avant de commander la laine, et puis d'avoir la laine, j'ai commandé autre chose. Alors, ça ne va pas du tout dans le bon sens. J'ai commandé les yeux. Donc, j'avais vu AliExpress qui en avait, mais je me dis, je ne vais pas attendre un mois, voire 2 mois, voire même ne jamais les avoir. C'était 3,99 € la boîte. Si vous achetez à part, vous avez 4 boutons, 4 yeux, 4 yeux, hein, tout ce qu'il faut pour faire les yeux pour, pareil, 3,99 €, 4 yeux. Et j'ai trouvé une alternative. Donc, à Amazon. Donc, ils vendent donc des yeux de toutes les tailles. Donc, je ne vous épanche pas trop, mais ça fait une petite boîte avec plusieurs tailles. Alors, si vous voyez là, voilà. Donc, je pense que ça, hein, je vais en avoir pour un bout de temps quand même. Avec les petites attaches derrière. Ça, c'est des yeux de sécurité. À 7,90 € avec tout. Et pour 4 euros et quelques, parce qu'il y a des yeux pour donner une expression à l'amigurumi qui se coud comme ça, hein, se coud. Se coudre, voilà. Et c'est des yeux, comme ça, voilà, comme ceci, avec, comme derrière, une encoche comme un bouton. Hein. Bon, j'ai des gros doigts, hein, donc forcément, vous voyez, comme ceci. Donc, j'ai acheté un paquet, donc j'ai mis là-dedans, hein, dans un paquet zip pour mettre tout dedans. Donc, là aussi, je n'ai pas un bout de temps. Et voilà, donc,
C'est ce qu'il faut. Après, il faut accrocher, faut de la mousse pour bourrer, hein, les amigurumis. Mais voilà, c'est ce qu'il faut pour faire des amigurumis. Voilà, je voulais vous présenter parce que si je vous les montre, ben voilà, je me dis, je vous montre mon hobby, mon nouvel hobby que j'ai trouvé. Je trouve ça bien. Voilà. Et puis, je vous montrerai certainement ce que j'ai fait. Et ce que ça donne. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, pour mon nouvel hobby, ma nouvelle activité de loisirs créatifs. Et puis, ce que je voulais vous parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de vidéos sur des amigurumis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!